Nous sommes donc dans la partie 3 de cette vidéo, au sommet de la tour. Nous allons faire le tour circulaire. Donc vous voyez ici le coteau des Templiers. Vous constatez qu'une partie n'a pas encore dégelé alors que nous sommes le 2 mars. Vous pouvez constater que les chapiteaux ont été nettoyés, on peut voir des inscriptions anciennes. Une vue exceptionnelle et magnifique sur le village. Et les voitures qui passent loin, la route qui s'en va en direction de la Roquetimbault. Et tout cela au son des pigeons qui sont à l'intérieur. Les maisons, l'ancienne casse, les nouveaux lotissements. Les piscines. La deuxième rue du village. Plus au loin, le calvaire dans cette direction. À l'arrière, Pendagenet. L'école, la supérette. La troisième rue. Encore un graffiti et de ce côté là le coteau de la Malousie, le coteau du Grand Rocher. Alors aujourd'hui au lointain le temps est grisâtre, mais habituellement par très beau temps il est possible de voir les Pyrénées. Et si je vous le dis, c'est parce que moi j'ai eu l'occasion de le voir il y a plus de 20 ans. Nous revoici donc à l'entrée de la tourelle. Eh bien, nous allons dans la partie 4 et nous allons redescendre.